Bonjour à tous, vous êtes avec Nico Gaju 13 et aujourd'hui je suis sur FC 25 pour continuer le mode carrière avec l'Olympique de Marseille et on va commencer cette vidéo par une conférence de presse. Bienvenue à vous et merci pour votre patience. Si vous avez des questions, allez-y. Aujourd'hui c'est le match d'ouverture de la Ligue 1 McDonald's. On est prêt, on a déjà envoyé un message à tout le monde en battant le Paris Saint-Germain pour le trophée des champions. Maintenant, on a juste hâte que ça commence. Et pour le match d'ouverture de la Ligue 1 McDonald's, l'Olympique de Marseille reçoit au stade Vélodrome le Racing Club de Strasbourg. Et pour cette première journée, l'Olympique de Marseille a aligné la même équipe que face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions. C'est le 4-3-3 traditionnel. Et du côté strasbourgeois, ils vont jouer en 3, 4, 2, 1. Allez, c'est Eli White qui va donner le coup d'envoi du tout premier match de Ligue 1 McDonald's de la saison. Et c'est parti! Allez, Coxou dans l'axe, on va jouer dessus de l'avant avec Ansu Fati. Dans la profondeur, là pour Eli Wahi, on va prolonger pour Paixão. Allez, Paixão qui lève la tête, il n'a pas de solution, on va ressortir sur Timber. Dans l'axe avec Fati, on décale Coxou en bonne position, pas d'ouverture pour frapper, du coup on écarte sur Livramento. Allez, Livramento qui lève la tête, on ressort sur Coxou. Fati en bonne position, la frappe pointe tête de Ansu Fati et c'est repoussé par le gardien en corner. Allez, c'est pas terminé. Corner pour l'Olympique de Marseille. C'est Coxou qui va s'en charger. C'est bien parti. C'est pour Balerdi. La tête de Balerdi. Et ça va effleurer la barre transversale. Quel dommage. Allez, faut revenir maintenant Hartmann. Attention à ce beau ballon là dans la profondeur pour l'attaquant sans faire de faute. Balerdi. La passe en retrait. Le petit décalage. Oui, on les fait reculer, c'est bien. Attention, la pression est toujours présente. Et c'est au fond des filets. C'est l'ouverture du score des Strasbourgeois grâce à un but de Valérie juste avant de rentrer au vestiaire. Ce but, il va faire mal car et pendant le temps de pause qu'on va avoir, et bien, on va faire que penser à ce but. Bon, il va falloir qu'on arrive rapidement à l'oublier et qu'on reparte de l'avant pour égaliser le plus rapidement possible. Allez, corner pour l'Olympique de Marseille. Et pourquoi pas égaliser juste avant de rentrer au vestiaire, ça serait bien. Et c'est bien tiré, c'est pour Balerdi. La tête de Balerdi, c'est l'égalisation au score de l'Olympique de Marseille. Grâce à un but de notre capitaine, Leonardo Balerdi. Et quelle fin de première mi-temps incroyable. On a marqué deux buts dans le temps additionnel. Ça fait un but partout. Et voilà monsieur l'arbitre qui siffle la mi-temps sur un score de 1 but partout. Attention à Balerdi, là faut pas sortir de ton poste, voilà. Et c'est bien joué. Allez, on écarte sur Greenwood. Allez, Greenwood qui n'est pas attaqué, il a de l'espace, on va en profiter. Allez, Eli Wahi. Allez, Eli Wahi pour la frappe croisée. Et c'est le but de l'Olympique de Marseille qui passe en tête dans ce match, grâce à un but de notre numéro 9, Eli Wahi. Et l'Olympique de Marseille qui commence cette deuxième mi-temps sur les chapeaux de roue avec déjà un but, ce qui leur permet de passer en tête. Et j'avais peur qu'Eli Wahi soit hors jeu, mais non, il a bien reculé. Allez, Coxou qui a un peu d'espace.
Ansu Fati. Allez, Fati par-dessus pour Eliwahi. La reprise de Eliwahi est magnifique. Arrêt réflexe du gardien strasbourgeois. La passe dans l'axe pour Saï. Bien, Sadio Mandé. Allez, Eliwahi. Eliwahi. Allez, dans l'espace pour Paixão. Allez, il faut s'appliquer là sur cette frappe. Et bel arrêt d'une main ferme du gardien. Allez, Greenwood. Allez, faut ressortir là, Elie. Timber. Et encore un arrêt d'une main ferme pour le gardien strasbourgeois. Et c'est pas sorti. Allez, le dégagement à la main. Dans l'axe, c'est Coxou. Fati. On va prolonger pour Eliwahi. Dans la profondeur pour Mason Greenwood. Allez, Greenwood. On attend l'appel de Eliwahi. Il est là. Allez, faut s'appliquer sur le centre. Il y est Paixão. La tête de Paixão est magnifique. Arrêt du gardien strasbourgeois. Allez, remplacement demandé côté marseillais. Sortie de Wai, Paixão, Timber et Hartmann. Entrée de Emega, França, Koné et Fresneda. Allez, la touche pour les Strasbourgeois. Oh là là, attention à l'interception là de Mason Greenwood. Et Emega qui n'est pas monté pour aider. Quel dommage, Emega. La frappe de Emega. Et encore un arrêt pour le gardien strasbourgeois. Attention, c'est pas fini. On récupère. Oh, c'est pas là que je voulais faire la passe, Greenwood. La frappe de Greenwood, c'est contré. Koné. França. On écarte sur Fresneda. Allez, Fresneda qui va chercher quelqu'un au centre. On va ressortir sur Koné. Allez, Fati en retrait. L'enroulé lointain de Ansu Fati. C'est trop simple, ça, pour le gardien. Et c'est la fin. C'est la fin de cette première journée de Ligue 1 McDonald's. Et c'est l'Olympique de Marseille qui l'emporte par 2-1. Bon ben voilà, on l'a fait, on a remporté le tout premier match de Ligue 1 de la saison, même si ça n'a pas été facile. Bienvenue à vous et merci pour votre patience. Si vous avez des questions, allez-y. Aujourd'hui, on va disputer un match de barrage de Ligue des Champions. Cette fois-ci, on affronte le PSV Eindhoven, donc ça risque d'être plus compliqué que face à Hajduk. Et même si on reste les favoris, il va falloir faire très attention car on a eu seulement 3 jours de repos et ça peut avoir un très gros impact. Un match entre deux cadors de la compétition, deux équipes avec les qualités pour prétendre au titre. Tout de suite, le coup d'envoi du match. Et on enchaîne avec le match de barrage de Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille reçoit au stade Vélodrome le PSV Eindhoven. Et pour ce match, l'Olympique de Marseille a aligné son équipe type. Là, on va avoir un style classique avec ce 4-3-3 avec deux ailiers. L'équipe se présente aussi dans ce et du côté du PSV Eindhoven, ils ont aligné un 4-3-3 offensif, bah exactement comme nous quoi. Allez, c'est le PSV Eindhoven qui va donner le coup d'envoi de ce match de barrage au stade Vélodrome et ça a déjà commencé. Allez, Bakayoko dans le couloir droit. Allez, il faut essayer d'empêcher le centre. Et attention, c'était pas sans retrait. Pourquoi pas une frappe? Oh là là, magnifique! Arrêt réflexe là de Paul Lopez. On va jouer avec Livramento. Coxou dans l'axe. Allez, Fati, c'est bien joué. Allez, par-dessus pour Paixão. La tête de Paixão! Et c'est dévié par Benitez. Mais c'est dévié sur son poteau. Et ça finit au fond des filets. Et c'est l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille grâce à un but de la nouvelle recrue. Et je crois que c'est son tout premier but sous les couleurs marseillaises. Je parle bien sûr de Paixão. Il est tout petit à côté du défenseur, c'est incroyable. Qui gagne son duel à la tête. Eh oui, c'est bien vu ça.
Oh, attention à ce beau ballon dans le dos de la défense. Allez, faut revenir. Et bel arrêt là de Paul Lopez encore une fois. Allez, De Jong avec Bakayoko. Bakayoko qui a une solution sur le côté. Voilà, il a joué avec lui. La passe en retrait pour Bakayoko. Attention, et encore une fois, il bute sur un excellent Paul Lopez. Allez, il faut les empêcher de jouer. Et ça se trouve bien, là, du côté PSV Eindhoven, ça joue bien, on touche de balle. Et la frappe lointaine, ça c'est facile pour Paul Lopez. Et l'arbitre qui va revenir à la faute. Et ça fait un coup franc bien placé là pour le PSV Eindhoven. Il va falloir être vigilant, faire très attention. Allez, l'arbitre qui place le mur à distance réglementaire. Ah, peut-être ça va être joué à deux. Non, oui, c'est ça, c'est joué à deux. Attention à la frappe. Et bel arrêt de Paul Lopez. Allez, sans se jeter cette fois. Voilà, on les tient bien. Bien, Balerdi, c'est bien défendu ça. Allez, de l'avant avec Mason Greenwood. Et voilà, la mi-temps de ce match de barrage de Ligue des Champions vient d'être sifflé par monsieur l'arbitre sur le score de 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Et on est obligé de repasser par derrière. Allez, Livramento, Coxou, Greenwood. Et Greenwood qui n'est pas attaqué, on va tenter notre chance de loin. C'est bien parti. Et c'est au fond défilé. Ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Grâce à un bijou signé Mason Greenwood. Et oui, il ne faut pas lui laisser autant d'espace car derrière il en profite. Il a parfaitement ajusté son enroulé pour le mettre hors de portée de Benitez. Allez, Balerdi dans l'espace pour Timber. Timber qui a fatigué tout seul plein axe. Et il y est là-haut, Greenwood. Allez, le contrôle est bon. La frappe de Greenwood. Et bel arrêt cette fois-ci de Benitez. Ah, hors-jeu de Eliwahi. Hartmann le long de la ligne avec Paixão dans l'axe pour Eliwahi. On écarte sur Hartmann. Allez, Hartmann qui lève la tête en retrait pour Greenwood. Greenwood qui risque à se retourner. La frappe de Greenwood, c'est contré. La frappe de Eliwahi, dommage, c'est sur le gardien, c'est pas terminé. Alors Ansoufati pour la frappe pointelle. Et c'est bien défendu par la défense. Allez, maintenant faut revenir. Attention à la contre-attaque. La frappe pointelle et bel arrêt de Paul Lopez. Et attention, c'est pas terminé. Corner pour le PSV Eindhoven. C'est tiré au point de pénalty. La belle tête. Et c'est sauvé sur sa ligne par Paixão. Incroyable. Allez, attention là, cette perte de balle. Et c'est passé dans le dos de Diomondé. Il y a peut-être un centre. Allez, on les fait reculer, c'est bien. Oh, c'est passé pour Bakayoko. Attention, et c'est au fond défilé. Et c'est la réduction au score du PSV Eindhoven grâce à un but de Bakayoko. Oh, le ballon est passé entre les jambes de Diomondé sur la passe. C'est vraiment dommage. Allez, remplacement demandé côté marseillais. Sortie de Paixão, Fati, Livramento, Hartmann et Balerdi. Entrée de França, Enciso, Soglo, Fresneda et Gomez. Enfin, Gomez. Wow, c'est compliqué, il y en a beaucoup. Le long de la ligne avec Mason Greenwood. On va rejouer avec Fresneda. Il est tout seul dans le couloir, c'est bien joué. Allez, il faut s'appliquer maintenant. Et on ressort. Allez, en retrait pour Timber. La frappe de Timber, c'est contré. Allez, Enciso. Dans l'espace pour Soglo. Allez, Soglo pour Eliwahi. Eliwahi, maintenant, je me suis trompé. La frappe de Eliwahi, et c'est repoussé du même ferme par Benitez. Allez, Coxou pour la frappe pointaine, c'est contré. Ballon écarté sur le côté gauche. La talonnade. Allez, les milieux, c'est à vous de revenir. Et attention à cette belle passe par-dessus. Bien, bel arrêt de Paul Lopez. Attention à Soglo là qui est mis sous pression. Allez, la touche pour le PSV Eindhoven à proximité de la surface marseillaise. Allez, faut pas craquer. Et le centre au point de pénalty, c'est repoussé. Attention à la reprise. Un bel arrêt de Paul Lopez.
Et attention là. Allez, c'est bien défendu. Allez, Nsiso. Nsiso qui va attendre Greenwood là-haut. Et il est là, Greenwood. Allez, faut s'appliquer, Greenwood. C'est à côté. C'est pas possible de rater ça. Allez, ballon écarté. Et voilà, c'est la fin de ce match aller de barrage de Ligue des Champions. Et c'est l'Olympique de Marseille qui l'emporte par 2-1. Mais on peut dire un grand merci à Paul Lopez qui aurait été incroyable, qui nous a sauvés à plusieurs reprises. Et attention, maintenant au match retour, car la prochaine fois on va chez eux. Et devant leurs supporters, ça risque d'être plus compliqué. Il y a ce but, plusieurs occasions franches. Je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment de répondre à nos questions. Aujourd'hui, on l'a emporté par 2-1 contre le PSV Eindhoven, en grande partie grâce à notre gardien Paul Lopez qui a été tout simplement incroyable, mais rien n'a encore joué, il y a un match retour chez eux à disputer et ça risque d'être encore plus compliqué. C'est un très gros match qui se prépare, tout le monde en parle depuis plusieurs jours, Reims affronte l'Olympique de Marseille. Et on va conclure cette vidéo avec la deuxième journée de Ligue 1 McDonald's. L'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Stade de Reims. Et pour ce match, les Rémois ont aligné un 4-2-3-1. Exclusivement consacré à la défense. On aime ou on n'aime pas. Attention, hein, c'est un football qui peut manquer parfois d'oxygène. C'est compliqué de vivre perpétuellement dans le culte de la défense. Ouais, mais c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Ça fait parfois des. Et du côté marseillais, c'est l'équipe type qui est alignée, l'équipe habituelle qui a fait le déplacement. On découvre le 11 marseillais. Une formation assez classique avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Allez, c'est Eddie White qui va donner le coup d'envoi du dernier match de cette vidéo. Et c'est parti. Allez, Fatih, donne des solutions. Allez, par-dessus pour Eddie White. Allez, la reprise de Eddie White. C'est sur le poteau, c'est pas fini. C'est repris par Greenwood. Et c'est l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille grâce à un but de notre Anglais. Mason Greenwood. Et c'est vraiment dommage pour Eddie White. La reprise, elle était magnifique, mais elle rebondit sur le poteau. Et heureusement pour nous, ça revient dans les pieds de Greenwood qui était bien placé et qui peut frapper dans une cage complètement vide. Et les Rémois qui veulent jouer vite et qui vont rendre le ballon aux Marseillais. C'est pas là que je voulais faire la passe. Et attention, ça profite aux Rémois. Allez, faut pas laisser jouer. La frappe et bel arrêt de Paul Lopez. Allez, Paixão. Allez, Paixão qui provoque et qui va réussir à passer. Allez, par-dessus pour Eddie Wahi. La reprise de Wahi. Et c'est encore un poteau. C'est encore un poteau pour l'attaquant marseillais. Allez, faut l'aider. Faut lui proposer des. Allez, Paixão. Cette balle qui tape le cadre. Greenwood. C'est l'action qu'il faut vite cicatriser. Avaler la frustration. Allez, Coxou. Allez, Fatih en retrait. La frappe pointe en dessous. Fatih s'est repoussé par le gardien. Et encore une fois, le malheureux gardien qui voit ce ballon repoussé dans les pieds de Paixão. Et ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Grâce à un but de notre numéro 17, Igor Paixão. Et clairement, je retire ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. La malédiction est levée. Paixão est beaucoup plus fort que Luis Enrique. Allez, on écarte sur Diomandé. Ouais, attention à ce mauvais pas, c'est intercepté. Le joueur et moi qui a bien anticipé. Allez, on dégage là. Faut arrêter de chipoter. Voilà, c'est bien. Allez, on écarte sur Diomandé. On va jouer le long de la ligne pour Greenwood. Et c'est la mi-temps qui vient d'être sifflé par monsieur l'arbitre sur le score de 2-0 pour l'Olympique de Marseille.
sur ce match, sa performance est plus que décevante. Allez, c'est bien défendu. Quoi ? Comment ça, penalty ? Mais il est fou, monsieur l'arbitre ! Il a joué à l'épaule, à aucun moment il y a faute ! Il était devant ! Non ! Penalty sifflé par monsieur l'arbitre. Allez, c'est pas fini, Paul Lopez, il peut encore l'arrêter. Paul Lopez face à Alvarado. Et c'est un contre-pied parfait. Et c'est la réduction au score des Rémois. Ils ont plus que un but de retard grâce à ce penalty. Penalty vraiment sévère. Sifflé contre l'Olympique de Marseille. Pour moi, il n'y avait même pas de faute. Et malheureusement, là, Paul Lopez, il est parti trop tôt. Le tireur l'a vu, donc il a tiré de l'autre côté. Logique. Coxou. Allez, Paichan. Allez, on attend l'appel de Hartmann. Et il est là. Allez, on ressort sur Paichan. En retrait pour Coxou. La frappe pointaine de Coxou. Et c'est au fond des filets. 3-1 pour l'Olympique de Marseille qui se remet à l'abri dans ce match. Grâce à un bijou signé Coxou. Et on le sait, il a le talent pour mettre des frappes de loin. Là, ils lui ont laissé beaucoup trop d'espace, les défenseurs. Et il en a profité. Oui, attention là, cette mauvaise passe de Greenwood. Ça profite au Rémois. Oh là là, c'est bien défendu par Balerdi. Attention, Balerdi qui va le perdre, ce ballon. Allez, sans se jeter, Joe Mandé. La passe en retrait, la frappe. Et c'est au fond des filets. Et une nouvelle réduction au score des Rémois. Grâce à un but du numéro 14, et c'est vraiment dommage car Balerdi avait fait le plus dur, il a récupéré le ballon. Et des fois ça fait ça, quand on récupère le ballon, tu restes bloqué avec l'attaquant et tu le repères et du coup tu te retrouves tout seul. Enfin bref, c'est FIFA, enfin, c'est FC. Allez, remplacement demandé côté marseillais, sortie de Wai, Fati et Hartmann, entrée de Emega, Nsiso et Fresneda. Allez, corner pour l'Olympique de Marseille. C'est bien tiré par Coxou. La tête de Balerdi est magnifique. Arrêt du gardien Rémois. Allez, nouveau corner pour l'Olympique de Marseille. C'est bien tiré encore une fois. Oh, c'est sauvé sur sa ligne par le défenseur. Allez, Coxou, voilà, viens apporter ton aide. Le dédoublement avec Livramento. Allez, Livramento qui lève la tête. On va ressortir sur Coxou. En retrait pour Nsiso, la frappe de Nsiso, c'est au fond des filets. Et l'Olympique de Marseille qui se remet à l'abri dans ce match grâce à un but du entrant. Et c'est son tout premier but sous les couleurs marseillaises. Et c'est signé Nsiso. En fait, je ne sais même pas comment ça se prononce. Tant c'est Nsiso, Nsiso. Voilà, enfin bref. Ça fait but. Allez, dans l'espace pour Coxou, par-dessus pour Emega. Et dommage, il n'a pas pu frapper Emega. C'est pas fini, ballon récupéré par les Marseillais, c'est dégagé loin devant. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre et c'est une nouvelle victoire pour l'Olympique de Marseille. Cette fois-ci, c'est sur le score de 4 buts à 2. Et du coup, ça va être tout pour aujourd'hui les amis. Donc j'espère que vous avez kiffé l'épisode du jour. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, faites-moi péter le bouton des likes, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez un max pour aider à me faire connaître. Et surtout, merci à tous. Et on se dit à bientôt. Et allez l'OM!